Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment partager votre connexion Wi-Fi avec les autres sans leur donner le mot de passe de votre connexion. Ainsi, vous allez pouvoir garder en secret le mot de passe de votre réseau et en même temps, vous allez leur permettre de bénéficier de la connexion Internet. Avant de continuer, j'ai deux remarques. La première, plusieurs parmi vous me disent que je parle rapidement. Donc, je vais essayer de ralentir. Je ne savais pas si je parlais rapidement. La deuxième remarque, pour nous permettre de continuer à publier des vidéos de qualité, je vous demande de liker et de partager avec vos amis sur les réseaux sociaux les vidéos. Je continue. Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les nouveaux appareils qui disposent d'une nouvelle version d'Android, comme la version 9 et la version 10. Pour ce faire, vous allez dans les paramètres, après vous allez dans connexion, vous allez dans Wi-Fi. Là, vous allez trouver les noms des réseaux disponibles. Prenez le réseau que vous souhaitez partager avec vos amis, vos familles, etc. Les interfaces se diffèrent selon les modèles et les marques des téléphones et aussi selon les versions d'Android y installées. Le cas, c'est Note 8 Samsung, version d'Android 9. Après, donc, vous allez toucher le nom de la connexion. Voilà, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ici, on a un code barre ou ce qu'on appelle code QR. Alors, pour partager la connexion avec les autres, il suffit qu'ils ouvrent les caméras de leur smartphone et scannent avec ce code. Ainsi, ils seront connectés à votre réseau sans qu'ils sachent votre mot de passe. Pour ce faire, je vais utiliser mon iPhone pour se connecter à ce réseau. Je vais ouvrir la caméra et je vais scanner ce code. Voilà comme vous marquez, vous accédez au réseau Mark 5, code de Wi-Fi. Alors maintenant, si je reviens pour vérifier le réseau Wi-Fi, comme vous marquez le réseau Mark 5, c'est connecté. Ainsi, donc, j'ai pu partager ma connexion Wi-Fi à partir de ce smartphone vers celui-là sans lui donner le mot de passe, juste en scannant le code barre avec la caméra. Cette méthode va vous permettre de garder en secret le mot de passe de votre connexion Wi-Fi et en même temps la partager avec les autres sans qu'ils sachent votre mot de passe. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.